Moi, Louise Povry, j'ai pris la résolution de continuer le commerce et de me substituer à feu mon mari. Juillet 1868, Madame Pommery lance ce qui fut à Reims le plus grand chantier du siècle. Un domaine de 50 hectares, posé sur 18 km de galeries, reliant entre elles 117 crayères gallo-romaines. J'ai voulu ce domaine comme un livre ouvert. Ouvert sur le monde, sur le temps. Laissez-y votre marque, comme moi-même j'y ai imprimé à jamais mon empreinte. L'esprit d'avant-garde domine. Construit sur un plan ouvert en H, l'ensemble des édifices va à l'encontre des traditions architecturales. Audace, charme, impertinence, le style Pommery est né. Lettre à mon chef de cave. Damas, il nous faut un vin aussi sec que possible, mais sans raideur, qui soit moelleux, velouté et bien fondu. Soignez la finesse avant tout. Une révolution en champagne. Jusque-là, les vins de champagne étaient très dosés. Madame Pommery sait que le goût évolue vers des vins plus légers, plus frais. Elle donne le ton à l'Europe et au monde en créant le Brut Nature, premier brut de l'histoire du champagne en 1874. Avec notre Brut, c'est le style Pommery qui s'impose, tout de finesse et de légèreté souriante. Après l'Europe, l'Angleterre, la Russie et les lointains États-Unis, les champagnes Pommery vont conquérir le monde. En 1935, Pommery devient le plus grand exportateur de champagne. Dès que l'on m'annonçait l'ouverture d'un nouveau marché, je baptisais du nom de sa capitale une des galeries du domaine. En parcourant nos caves, vous sillonnez le monde selon Pommery. Symbole d'élégance, de prestige et de raffinement, les champagnes Pommery accompagnent les plus grands événements du monde. Je me souviens avec émotion de ces journées d'avril. Tout était si beau. Chacun levait sa coupe dorée au bonheur des jeunes époux. Nul autre vin que notre champagne, vin de la chance et du bonheur, ne pouvait être mieux choisi pour baptiser le plus grand des paquebots. Devenu Vranken Pommery Monopole, Pommery innove, Pommery invente. Pommery continue toujours et sans cesse de conquérir un monde chaque jour plus lointain. Quel plaisir de faire découvrir notre champagne à ce nouveau monde. De 80 jours à moins de 24 heures, le tour du monde se fait de plus en plus vite. Quel ennui d'attendre les saisons. Monsieur le 9e chef de cave, inventez-les. Se loge. Il serait une atmosphère tout en contraste avec les. XXIe siècle. Pommery impertinent, audacieux. Pommery nomade, mais toujours sublimement élégant. Quel que soit le flacon, Pommery reste Pommery. Plus qu'une marque, c'est un comportement. Le domaine Pommery, gigantesque espace de liberté pour les artistes. Venu du monde entier, il crée une œuvre in situ pour répondre à la magie du lieu.
Le champagne, comme l'art, est un moment d'exception. Il faut des raisins de grande origine. Le vignoble Pommery les possède. Il faut la quintessence du savoir-faire des chefs de cave Pommery. Il faut une vendange issue d'un grand millésime. Il faut le vieillissement dans des caves d'exception. 7 ans. Il faut enfin l'extrême délicatesse d'un flacon digne d'un rêve. Et alors Pommery m'appellera Louise. Dieu, que la vie de tous les jours est jolie.